aussi important à ce point-là, non, je pense pas. Ça fait partie des... Ouais, des c'est certainement la vague qui a fait le plus de dégâts. Ce qui est certainement lié au fait de l'érosion, du sable qui s'en va. Donc comme le sable s'en va, la mer se rapproche. Moi, c'est ça que j'observe depuis des années, qu'à chaque grosse vague, ça emporte un peu de sable. Donc bah, évidemment, les dégâts sont de plus en plus conséquents. Ça devient vraiment critique, là, on va dire. Hein. Ça devient critique. Ce qui est regrettable pour nous, c'est qu'il y a un projet de recul depuis des années et des années sur lequel nous voulons participer. On propose de casser et de reconstruire à nos frais depuis des années. Ça ne se fait pas, c'est bloqué, on ne sait pas pourquoi. Donc pour nous, c'est ça le plus regrettable. L'événement d'aujourd'hui ne nous surprend pas, en fait. Tous les ans, on a de la casse, on reconstruit. On sait très bien qu'on est trop proche de la mer. Comme je vous dis, nous, on n'attend qu'un recul depuis des années. On a fait beaucoup de projets avec des architectes, voilà, en suivant un cahier des charges très précis. Et à chaque fois, ça capote à la fin. Et voilà, le gros problème aujourd'hui est ici. Vous avez tout découvert ce matin ou est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui surveillait pendant toute la nuit? Non, on a un agent de sécurité toute la nuit et moi-même, je suis arrivé à 4h30 parce que je savais que c'était marée haute. Donc, je savais que ça serait chaud. Bon, ma présence était inutile, hein, c'était tellement puissant qu'il n'y avait rien à faire.